je vais vous montrer comment vous pouvez installer et télécharger des jeux sur Windows 11. Pour ça, dans votre barre de recherche, vous tapez Store et vous lancez l'application Microsoft Store. Ensuite, dans le menu, vous avez 4 onglets, vous cliquez sur le 3ème jeu et c'est ici que vous allez pouvoir rechercher des jeux gratuits. Comme vous voyez, lorsqu'un jeu est gratuit, il est noté juste ici gratuit et lorsqu'il est payant, eh bien le prix est indiqué. Sachez que pour certains jeux, il vous faudra vous connecter à un compte Microsoft pour pouvoir les télécharger. Si vous n'avez pas de compte Microsoft et que vous souhaitez savoir comment en créer un, je vous renvoie la vidéo en description. Donc pour pouvoir télécharger un jeu, vous cliquez sur le jeu, puis vous cliquez sur Obtenir. Ensuite, vous attendez le début du téléchargement. Lorsque le téléchargement est terminé, vous pouvez cliquer sur Jouer pour lancer le jeu. Une autre manière de lancer le jeu est d'aller dans Bibliothèque, puis vous descendez un petit peu dans la page, et juste ici, vous avez Jeux. Vous avez donc la liste de vos jeux, puis pour pouvoir lancer un jeu, vous cliquez sur Ouvrir. Si vous souhaitez installer un jeu payant, vous cliquez également sur le jeu et vous cliquez sur acheter. Donc pour pouvoir acheter un jeu, il vous faudra vous connecter à votre compte Microsoft et ensuite renseigner vos coordonnées bancaires. Lorsque ça sera fait, de la même manière, vous pourrez lancer le téléchargement du jeu. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.